Un tesson d'éternité, c'est l'histoire d'Anna. C'est une femme d'une quarantaine d'années qui est pharmacienne dans un petit village très chic de la Côte d'Azur. Elle a épousé Hugues et avec lui, elle a eu Léo. Léo, c'est un garçon qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Il s'apprête à passer son bac. Sa mère l'adore et tous ensemble, eh bien, ils mènent une existence tout à fait paisible et quasiment idyllique. Mais voilà, un matin, tout bascule lorsque la gendarmerie frappe à la porte et que les gendarmes viennent menotter Léo et l'incarcérer dans la foulée. À partir de là, le monde d'Anna va voler en éclats, un monde dont on va comprendre qu'elle l'a bâti pierre après pierre, avec une grande détermination, avec beaucoup d'efforts, tout cela eh bien, pour fuir, se mettre à distance d'une autre vie, donc de son passé, qui désormais va la rattraper inexorablement. Ce roman est né de, je crois, de certaines obsessions, de thématiques que je souhaitais creuser, approfondir. D'abord le déterminisme social avec les rapports de classe, les rapports de genre, le déterminisme de la violence aussi, le déterminisme des origines, ce qui nous construit, nous déconstruit, est-ce qu'on peut s'en affranchir ou jusqu'à quel point ? Il y avait aussi la thématique de la liberté qui était très importante pour moi. J'avais envie de poser cette question, quand est-on vraiment libre ? Et ce personnage, Anna, qui donc a vécu d'une certaine manière deux existences bien distinctes, enfant, adolescente, puis adulte, eh bien, elle n'a jamais été libre, ni dans la première qu'elle a subie, ni dans la seconde qu'elle a pourtant choisie et qu'elle a construite. Et cette notion de liberté, elle vient évidemment en écho avec l'univers carcéral, qui était aussi une thématique et aussi un sujet qui me tenait à cœur. C'est un univers que je connais assez bien. Je me rends régulièrement dans des établissements pénitentiaires. Et avec ce livre, j'avais envie d'explorer non seulement ce qui se passe entre les murs, qui est toujours quelque chose de très fascinant, bien sûr, puisque ce sont des expériences humaines qui vous transforment radicalement, mais aussi, et peut-être encore plus, j'avais envie d'explorer l'impact de l'incarcération d'un proche sur son entourage, sur sa famille et ici précisément sur sa mère. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure absolument pas lorsqu'on n'y est pas exposé. C'est une véritable déflagration. Ça change tout, l'incarcération. Ça change la vie au quotidien puisque on subit finalement l'emploi du temps des plannings. On subit la géographie de l'incarcération. Parfois, le proche peut être incarcéré très loin. Mais de manière plus profonde, je dirais, on subit aussi le désarroi, l'impuissance, le sentiment d'impuissance que ça génère, et puis ce que ça crée aussi dans l'environnement avec la modification du regard des autres. Et tout ça, en fait, fait que le proche de la personne détenue est très souvent, lui aussi, d'une certaine manière, condamné, et là, même parfois à perpétuité.